un grand point qui a dominé l'actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, réaction continue à tomber, surtout après nomination Edgar Leblanc fils comme coordinateur conseil présidentiel transition avec Fritz Belizer comme premier ministre. Toujours dans le pays d'Haïti, gouvernement démissionnaire a prolongé couvre-feu pour 3 mai 2024 dans le département de l'Ouest. Actualité internationale, secrétaire d'État américain Anthony Blinken quitte région Moyen-Orient sans le pas réussir à joindre ni cessez-le-feu ni libération otage qui n'a même Hamas. États-Unis face à face entre forces de l'ordre et étudiants qui ont manifesté contre guerre Israël a mené dans Gaza. Situation toujours tendue sur campus UCLA, University California, Los Angeles. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps nous va développer pour dans un petit moment gros nouvelle là papa. Bonjour bonsoir tout le monde dépendamment qui est qui côté ou même wap tande et regarder en même temps vidéo ça. Déjà nous dou bienvenue sur channel là pour nouveau vidéo la voix de l'Amérique que nous côté pour jodi a. Parmi quelques dans l'autre grand point que n'a gain pour nous pour après édition la voix de l'Amérique ça et n'a faut connaître environ 29 monde mouri avec 60 l'autre sorti disparaît à cause des gros la pluie qui tombé dans pays Brésil qui donc inondation pas seulement en Haïti li nan Brésil tout yon kay effondré à cause 11 moun tout yo tombé mouri d'après autorité municipale yo même 11 moun sa yo mouri dans zone Labori barrière bouteille dans zone Cap Haïtien tout côté des gars de l'eau même la ravagé. Aéroport international Toussaint Louverture là même pour que jamais capable l'ouvrir avant hier soir pour l'ouvrir. Ayer jeudi a même bandi examiné même yo tal simen coup de balle sous piste atterrissage aéroport. Et bien pile moun qui connaît ou dit ça non pourquoi il là li quitter définitivement radio Ibo li même que li te gagné émission que li qui ça nous voulait n'a venir avec li pour prince ayo plaisir l'autre n'a bien pour nous dans édition la voix de l'Amérique ça mais avant même nous rentrer dans prince ayo pas oublier pour même abonner avec channel là pas oublier activer la cloche notification pour là mettez le sous tout si toutefois pour faire ça et pas oublier quitter un like sous vidéo partager le tout avec un ami un famille une façon pour capable aider nous grandir nous pas perdre trop temps plein de parler pile n'a plago dans édition VO à créole là puis devant n'a tourner avec détail. Bon, ici, c'est président Joe Biden jodia qui prend la parole pour dire que l'ordre doit être rétabli devant un paquet de manifestations pro-palestiniens qui a fait dans plusieurs universités ici aux États-Unis. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York. Avec mouvement manifestation pro-palestinien qui gagne dans plusieurs campus collèges et universités ici aux États-Unis, tension et violence a augmenté entre étudiants et force police. Chancelier UCLA à Université Californie à Los Angeles, c'est dit bonheur dans le matin hier mercredi 1er mai, une contre-manifestation qui gagne la donne étudiants pro-juifs ont attaqué avec violence un camp étudiant pro-palestinien. Étudiants ont été marrés bataille et après quelques temps de conflit entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens sous campus, force la police casse dans la tête, bouclier protection dans la main, ont formé une ligne pour intervenir et séparer groupe qui tape boumé et rétablir l'ordre sous campus. La police a arrêté plusieurs étudiants activistes et ont été détruits tant que étudiants ont été montés sous campus l'école là. Confrontation avec la police à travers divers campus l'école dans zone là, la cause plus passé 1000 arrestations en total qui fait jusqu'à présent. Officiels universitaires avec leaders manifestants ont signé un accord pour mettre restrictions sur des zones avec violence qui a fait yo, ça qui dérange la vie dans campus yo, avec cérémonie graduation yo qui a vint là yo. Président Joe Biden est sorti dans silence là, il fait commentaire journée jeudi à côté que le parlé pour défendre droit à liberté la parole, mais il dit que l'ordre doit dominer sous campus collège. On our college campuses here. We've all seen the images. Je voulais parler quelques moments sur ce qui a passé sous campus collège New York ici là. Nous tous avons images. Et puis, c'était un test sous principe fondamental américain. Excusez-moi. Premier, c'est droit à la parole, avec droit à monde pour rassembler dans la paix et puis faire un devoir. Deuxième, là, c'est respect la loi. Tous les deux supposés respecter. Nous pas une nation autoritaire, groupe on y est côté, nous fermer bouche monde au soir, nous annuler dissidentio. Peuple américain supposé tendez. En réalité, protestation dans la paix, c'est une plus bonne tradition sous façon peuple américain répondre à problème que très souvent il a fait face avec eux. Dans moment ça, parce que nous c'est une grosse nation qui diversifie. Et nous pas un pays sans la loi, nous c'est une société civile. Et puis l'ordre doit dominer. Moun gen droit pour protester, mais ou pas gen droit pour la cause des autres. Moun gen droit pour joindre une éducation. Doit puis joindre un diplôme, doit puis marcher à travers la cour l'école en sécurité sans yo pas peur que attaqué. Mais en nous clair sur ça tout, pas ta doit gain aucun côté dans n'importe campus, aucun côté dans Amérique là pour antisémite ou soit menace violence contre étudiants juifs yo, américains ou soit palestiniens yo. Ou qu'on n'est pas fait erreur comme président, moi pral toujours défendre liberté la parole et puis moi pral toujours gain même force dans camper pour règle la loi. Ça c'est responsabilité moi envers ou même peuple américain et obligation moi envers constitution pays là. Merci en pile. My obligation to the constitution. Thank you very much. Selon cet observateur, c'est un mouvement étudiant qui part en coup n'importe l'autre mouvement étudiant que yo jamais moins dans 21e siècle ça. Un mouvement qui sortit dans New York, rivé juste Texas à Californie. Dix fait manifestation ça contre la guerre dans Gaza commencé sous campus Columbia University à New York et la propagé dans plusieurs autres campus à travers pays. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis.
Merci Valérie. Docteur Kouvalier aussi là son mouvement qui sorti New York, Californie et li tout dans Illinois puis précisément dans Chicago côté nous va rejoindre Aubert Rémy. Jeudi passé, un groupe étudiant est monté tantôt sur campus Université OSN qui dans région Chicago, une façon pour forcer l'université à suspendre investir l'argent dans activité qui connectée avec l'armée pays Israël là. Action ça fait partie mouvement mobilisation étudiant dans plusieurs universités États-Unis lancé depuis quelques jours pour dénoncer la guerre Israël a mené dans pays Palestine. Andrew Macedo, un étudiant première année dans économie et philosophie, expliquait les raisons qui motivaient le joindre mouvement ça. C'était difficile pour moi parce que moi j'ai un plus d'amis juifs et puis j'ai une grosse population juive dans l'université. Moi ouais conflit ça affecté yo, même j'en ai affecté les amis arabes et musulmans yo tout. Mais c'est action Israël qui continue la cause ça. Et d'après opinion PAM, nous même comme université et institution académique, nous pas doué supporter activité militaire ça yo sous aucune forme. Mais étudiants ont commencé à lever tantôt depuis lundi soir, après un accord rejoint avec responsable université. Parmi quelques provisions qui n'ont accord ça, l'université a engagé pour quitter étudiants continuer à manifester la paix, mais interdit pour mettre tente. L'université a accepté pour partager informations sur investissement lié, et l'université a bâillé 5 étudiants palestiniens bourse pour étudier gratis dans niveau licence. Moi fier des communautés noires, parce que nous avons accompli un travail qui était une grosse casquette pour remplir notre université dans le pays. Nous prenons un chemin durable qui évite nous déblousailles. Un chemin qui priorise la sécurité pour tous les étudiants, pour tous les étudiants juifs, pour tous les étudiants musulmans, pour tous les étudiants. Mais l'opinion étudiant est divisée quant à bénéfice à quoi ça a apporté pour eux réellement. Tant que pour Paz, étudiant qui est en sciences politiques, à quoi ça c'est une victoire. Parce que les étudiants palestiniens sont contents avec Akoa, moins contents tout. Parce que avant tout, c'est pour eux et les familles qui prennent notre abdé dans Palestine dans ce moment-là. Je suis vraiment fier de Akoa et je voulais encourager les étudiants dans l'autre université pour utiliser Akoa comme quelques minimum provisions qu'ils ont demandé et demander plus toujours les négocier avec les responsables de l'université. Mais il y a d'autres étudiants, tant que Andrew, qui ne mettent pas de l'eau dans la bouche pour critiquer Akoa. C'est une honte pour l'organisation étudiante qui a accepté de calter en tant que ça à l'université. Mais il y a un peu de manigance qui était fait pour causer ça. L'université a mis pression sur l'organisation, menacé pour arrêter, mettre de dehors si vous ne voulez pas accepter l'accord. C'est une grosse honte, mais le mouvement n'a pas campé. Effectivement, même jour mercredi, il y a un autre groupe étudiant qui a lancé un mouvement grève côté réuni sur la cour université pour lire poésie, faire œuvre artistique, lancer slogan pour continuer à demander l'université de Northwestern pour ne pas investir l'argent dans l'activité militaire Israël. Obed Lamy, pouvez-vous à Créole depuis Chicago? Merci Obed Lamy et puis pour yon mise à jour sur guerre Israël. Amassa nous parle rejoindre Jean-Aubert Philippe qui fait nous connaître que secrétaire d'État américain Anthony Blinken retourné avec main vide sans pas joindre ni libération otage ni cesser le feu, il était voulu que tu gagné dans guerre Israël contre Amassa. Jean-Aubert Philippe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken parti quitter Tel Aviv en Israël sans lui pas annoncer un cessez-le-feu ou bien une entente entre Israël avec Hamas. Le premier ministre Netanyahou a déclaré qu'il n'a pas accepté une fin dans la guerre l'a mené dans le territoire Gaza comme condition pour libération otage. L'opération militaire l'a planifié pour ville Rafah a déroulé avec ou sans un cessez-le-feu malgré position Washington avec Nations Unies qui dit une opération comme ça capable de déboucher sur une tragédie. Cette diplomatie américaine a déclaré jusqu'à présent qu'il n'y a pas de plan offensif Rafah. Ça longtemps, président Joe Biden a déclaré par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les États-Unis ne peuvent supporter aucun plan qui ne prévoit façon pour protéger les civils avec travail humanitaire. Médiateur attend réponse groupe militant palestinien Hamas sous dernier offre Israël là qui prévoit libération prisonniers palestiniens avec suspendre bataille là en échange pour libération otage israélien qui embarme groupe militant Hamas depuis 7 octobre passé date militant yo t'a tué 1200 israéliens avec étrangers et puis ont pris en otage plus passé 200 israéliens à l'étranger d'après le gouvernement israélien. En réponse avec l'attaque, les forces israéliennes ont attaqué le territoire Gaza, côté Otouye, plus passé 34 000 Palestiniens, puis fournant yo ces femmes avec Timoun, d'après le ministère de Santé Gaza, que Hamas contrôle. Hamas has to decide whether it will take this deal. Secrétaire d'État Blinken déclaré, Hamas n'est pour décider si oui ou non l'a accepté en tant que pour permettre l'amélioration moun li di l'a défendre dans le territoire Gaza. Pas de temps pour nous perdre encore. Un objectif ici chef diplomatie américain, c'est question pour qu'on ait si oui ou non l'administration Biden est capable de convaincre le gouvernement israélien pour supporter finalement un État palestinien. Question importante pour un support pays arabio dans le cadre d'un plan après-guerre que officiel américain considère comme important pour stabiliser le Moyen-Orient. But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu
Brian Katulis, qui travaille dans l'Institut Moyen-Orient, parle pour dire blocage réel. Là, c'est le fait que au gain un gouvernement israélien qui gagne en tête Benjamin Netanyahu et qui gagne là-dedans voix qui oppose sérieusement un État palestinien. D'un côté, de l'autre côté, au gain saoudien qui fait remarquer le trait et au voulait un cessez-le-feu dans la guerre immédiatement. Et puis au voulait ouais engagement pour établir un État palestinien. Jusqu'à avant M. Blinken était parti quitter Tel Aviv, il déclarait par les journalistes de remettre officiel israélien une liste étape administration américaine quoi les deux franchis pour protéger et puis assister les civils dans Gaza et puis améliorer façon militaire à opérer sans oublier accélérer opération assistance humanitaire. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours réaction concernant Gessa qui a déroulé dans la région Moyen-Orient et bien Colombie lui-même qui coupait relations diplomatiques avec pays Israël. Nous allons plus de détails avec Marius Pierre. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Président colombien Gustavo Petro fait connaître mercredi que le gouvernement a coupé relations diplomatiques avec Israël. Jeudi en réponse à la guerre Israël à Hamasa dans Gaza. Pendant un match dans la capitale colombienne Bogota, Petro a décrit le leadership israélien comme génocide. Si Palestine mourit, l'humanité mourit. Et puis nous ne pouvons pas quitter le mourir. C'est déclaration Gustavo Petro. Comment elle y a attiré une réponse rapide? La humanité. Beaucoup de ministres affaires étrangères israéliens, Israël Kaz, qui étaient qualifiés décision Petro comme un cadeau pour Hamas. Histoire pour songer que Gustavo Petro a décidé de mettre côte à côte monstre qui pire détestable dans l'humanité, qui était boulé petit bébé, qui était assassiné petit monde, qui était violé femme, et puis tout, qui kidnappait civils innocents. Kaz a fait déclaration ça sur réseau social X. Pendant Israël a préparé pour une opération militaire planifiée dans Rafah, sur la défense américaine. Lloyd Austin t'est parlé dans téléphone mercredi avec ministre de défense israélien Yoav Gallant. Une porte-parole Pentagone t'a dit Austin insistait sur nécessité pour n'importe qui potentielle opération militaire israélienne dans Rafah gain la dernier plan crédible pour évacuer civils palestiniens et puis continuer à assurer livraison aide humanitaire. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Et puis actualité ici aux États-Unis, c'est ancien président républicain Donald Trump qui jeudi a été retourné dans tribunal. Sandra Lemaire, gain détail. Ancien président des États-Unis Donald Trump est capable de faire face à plus de sanctions dans le cadre d'une nouvelle série Babouquette, juge l'a imposé dans le cadre de procès criminel lié qui a un rapport avec l'argent qui était payé en battable pour empêcher information sortie qui a endommagé candidature. Juge qui a présidé a organisé une audition jeudi matin pour discuter sous ça. Babouquette l'a demandé pour Trump pas faire aucun commentaire public ni sous témoigno ni sous membre jury. Avocat accusation yo mandé pour juge Juan Merchan exiger Trump pour le payer une amende $4,000 pour tête l'été violé l'ordre 4 fois semaine passée. Puis précisément monsieur t'est déclaré que yo t'est choisi membre jury après c'est pressé et que 95% dans yo c'est démocrate. Juge là t'est déjà imposé une amende $9,000 sous Trump 30 avril et il t'est dit monsieur s'il continuait violer Babouquette là il camété en prison. Jean le Babouquette ça yo gain comme but pour empêcher youn nanèg qui gain plus pouvoir dans monde là craponnait témoin yo membre jury yo avec l'autre participant dans procès a. Il pas empêché Trump pour critiquer avocat accusation yo ni juge là. Il pas clair qui le juge là pour prononcer décision li. We have a very conflicted judge, unfortunately, and so you never know. Trump dit nous avons un juge qui malheureusement chargé à conflit, donc nous pas jamais connaît. À part de ça, pas gain aucune raison pour mener un procès contre moi. Même si on t'a mené un procès contre moi, je te dois faire ça gain 8 ans ça. On a parlé de l'année 2015-2016. Personne pour jamais moi un bagage comme ça. Accusation la justice là centrée sur $130,000 compagnie Trump là t'a payé avocat Michael Cohen. L'argent ça c'était pour actrice porno Stormy Daniels que Trump t'a voulu empêcher de voilà publiquement que l'été gagnait une relation sexuelle avec lui pendant que monsieur était marié. Trump dit qu'il n'y a pas jamais en affaire avec Daniels. Avocat accusation yo dit Trump et acolyte lui ont comploté pour acheter et puis cacher reportage qui était qu'à gâter chance monsieur était gagné pour gagner élection présidentielle année 2016 là. La justice accusait Trump d'est-ce que il était falsifié document interne business pour le cacher vraie raison il était payé l'agence ça. Trump plaide non coupable. Jeudi 2 mai, c'est 10e journée pour ces criminels là et il est capable de durer l'autre mois ou bien plus. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. C'était actualité internationale. Nous parlons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Créole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale. Branchez VOA Créole. Pour moi, le silence, pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
Donc rendez-vous c'est pour demain dans émission spéciale dans occasion Journée mondiale liberté la parole liberté la presse. Actualité concernant pays d'Haïti, eh ben réaction continue à tomber après nomination Edgar Leblanc comme coordonnateur et conseil présidentiel là, mais surtout après choix Fritz Belizère comme premier ministre Yves Manuel n'importe quoi. Fritz Belizère, que bloc majoritaire dans le conseil présidentiel l'a désigné comme premier ministre dans la date 30 avril passé, déjà contesté. Certains conseillers présidentiels ont estimé choix pas respecté prescrit à 3 avril, parti qui impliquait dans la mise en place conseil la Tessien. Ancien député Vickerson Gagné, qui fait partie de l'accord 21 décembre, les mêmes tours étaient quoi parti au de respecter l'accord 3 avril. Il faut qu'il fait à travers l'accord 3 avril. Nous espérons que l'autre petit pays a continué à venir autour de la table pour que nous capables de venir vraiment en solution concertée par rapport avec le problème pays. Dans une note pour la presse qui est publiée mercredi 1er mai 2024, la famille Lavalas déplorait une série de manœuvres politiques en battable qui visait qu'imbé tradition corruption et négligence qui kembe paysan nan misère lié an. Parti ancien président Jean-Bertrand Aristidlan dénoncé sa relé yon mascarade pour garantir pouvoir PHTK ak allié li yo. Bon côté pal bureau suivi à Komundana dénoncé sa li relé yon coup mal taillé yon coalition 4 secteurs en de conseil la comploté sous dos population an, nan mitan la nuit lundi pour arriver mardi 30 avril 2024 la. Alors que parti Mopod salue consensus ça qui dégageait entre 4 secteurs dans conseil et souhaitait au météo au travail pour adresser problème hygiène nation. André Raphaël. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça montre effectivement que nous avons volonté et détermination, pas un sacrifice qui est trop grand pour qu'il fait. Et nous avons le premier rôle que le conseil présidentiel a pour jouer dans le pays. C'est jouer une confiance population à travers l'insécurité qui peut permettre que nous avons vaqué libre et libre en activité. Pour le moment, pays qui dit aux ses amis, pays d'Haïti, pourquoi prononcer sur cette question? Seul secrétaire général OEA, Luis Almagro, dans un tweet, li félicite nomination président conseil présidentiel là, qui c'est une étape importante dans mise en œuvre accord politique national pays d'Haïti. Conseillers ont été réunis 1er mai pour discuter de situation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, correspondant nous Massadoville mais lui-même Abdi nous plus sous ingénieur Fritz Belizère avec tout réaction qui gagne après nomination. Fritz Belizère, c'est ancien ministre jeunesse sport et action civique sous administration Préval Alexis. Qui donc, M. Belizère, était dans tête ministère si là pendant le deuxième mandat René Gracia Préval 2006-2011. Nouvelle fait qu'on est dans l'époque ça, il était en tant parti politique famille Lavalas. Même si pas de trop de détails qui sont disponibles sur carrière politique, li, Tris Mersin Célino, proche parti politique Petite Dessalines, qui s'allie à nomination ingénieur Belizère pour poste premier ministre conseil présidentiel transition, mandé pour conseil Néo publier pressé, non premier ministre, dans le journal Le Moniteur, une façon pour joindre une solution à la crise là. M. Edgar Leblanc, qui est président conseil là, qui a pas donné conseil là. Si on est que le peuple a fait confiance. Haïti, fait confiance en pile. Ou de prendre décision avec responsable pour nous, pour le premier ministre là, pour lui rentrer en fonction, pour nous voir publier dans les moniteurs, pour nous officialiser. Pour nous avoir gagné et un gouvernement pressé. Nous allons le prendre lundi encore. Pour nous pas gagner un gouvernement qui a travaillé. Une association jeune qui contestait choix Fritz Belizère, demandait pour conseiller respecter l'accord 3 avril 2024 là. Pendant que vous faites choix, Dr. Smith Mani pour poste là. À quoi ça lui dit, mais qui j'ai pour gagner au premier ministre qui définit. C'est ensemble des secteurs qui ont pour envoyer ensemble, qui ont pour envoyer représentants. Je dis, nous ne pouvons pas jouer de coquine, nous ne pouvons pas jouer de mesdames. Nous clés sur ça, je dis, je laisse nous choisir Dr. Smith Mani parce que nous, dans le lit, nous rassembleurs. Il y a des gens qui sont capables de mettre petit pays à Chita sans coquin, sans mesdames. Cependant, Maslem Itil dit nèg arabe là qui était sauvé dans prison Demas Passea qui s'est tout allié ancien sénateur Eli Grandans Langui Philippe qui s'allie choix Edgar Leblanc fils comme président conseil transition mandé pour Gichita parler qui fait avec ancien sénateur Elia. M'ka dit Edgar Leblanc fils, s'il vous mettez l'ordre à discipline, la jeune Guy Philippe parce que Guy Philippe c'est lui même peuple a choisi comme président pour venir diriger pays comme nèg yo, c'est un système yo besoin régénérer, gon bataille, gon campagne en place, une machine que vous mettez sous pied pour démigrer commandant Guy Philippe. Moi-même, et pas parce que m'a shooté sous couleur cette tête-là, m'a shooté sous Edgar Leblanc fils. Et c'est le meilleur coup de crayon que j'ai fait. Parce que c'est ça Edgar Leblanc fils qui va dans gang, qui va dans voler dans l'internet. Toutefois, il y a un beau parti dans la population. Instabilité politique la pesée lourd sous doyo, dit yo pas qu'attendre la vie retourne dans le pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vilme pour VOA Créole. Et quand nous allons joindre l'autre réaction encore, et nous allons Miami, côté nous allons joindre Luxon de Saint-Ville. Edgar Leblanc fils, Fritz Belizère. Non, ça y a pas vraiment dit pifo haïtien en yen en Florida. Hermano a peine saute dans gym, nous croisons sur route, nous qui pral acheter dans yon maquette. Ou jeune garçon ça, composition conseil présidentiel là, c'est un processus personnel
qui pas prend en compte volonté population. Pas qu'un président qui installé, il pas au courant à PEP, ça veut dire que peuple pas connait de ça qu'a fait, ça veut dire que nous déjà ouais son pays personne pas compte côté la voiler. Anise saute dans maquette, l'a traversé la rue pour venir prendre bus. Dame ça dit il pas fait confiance à aucune personnalité qui n'a conseil là. Anise qui pas de vle visage, il paraît dit tout autant ces mêmes acteurs politiques ça qui devant Haïti pourquoi sorti dans sa lier. Parce que tout autant yo là nation moun sa yo là dans pays d'Haïti yo pas pays d'Haïti pas bon même regardez la situation moun yo mette moun yo regardez la situation on pays yé regardez moi m'té devant Saint-Domingue regardez Saint-Domingue passé devant regardez tout la jamaïcain regardez mes amis la nation yo met tête yo ensemble majorité haïtienne nous parler à qui yo dit yo pas attendre aucun résultat positif des conseils présidentiels transition d'ailleurs division qui déjà gagné dans mitan yo c'est un élément qui fait zéphirin quoi solution Haïti a pas pour demain. La division est déjà là, elle pas besoin de continuer. Sauf si yo mixé gouvernement. Peut-être n'a besoin chance. Notre ennemi chrono nous tomber sous Eliande qui t'a pral fin lessive. Avec un pile frustration maman trois petites ça qui pas de voulait paraître devant caméra. Dit pas ouais espoir pour pays. Chaque fois pour yon vraiment voué sacré les révolutions à nos besoins en ta ka fait. Yo si tellement fort dans système là, yo passé, yo crasé tout bagay encore c'est yo même, c'est yo même, c'est seul yo qui gen droit dans pays là. Pas gen espoir du tout. C'est vrai acteur yo pas jamais arrivé en temps yo, mais Anise nous t'ai parlé à cli avant, prêté quoi communauté internationale là. Pas innocent dans ça qui passé. Yo comme ça yo faire aux États-Unis avec la France à Canada comme ça yo faire. Yo comme ça yo faire. Et pas parce que yo pas connait ça yo fait. Yo crasé pays moi me vinn redi pour yo, pour me vinn travailler pour yo, pour me faire pays ra belle, pour me voler pays yo. Yo comme ça yo faire. Même si yo douté de avenir pays a, haïtien ça yo cap vivre Florida, rete quoi? Situation gen pour changer un jour. Comme ça yo ka tourner vinn vivre dans un Haïti qui gen stabilité. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement démissionnaire l'a prolongé couvre-feu dans le département de l'Ouest pour jusqu'à demain 3 mai. Et puis jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause Femmes, nous avons joint Jude Deonceré. Dans Cause Femmes, jeudi, on vient nous parler de athlète Chloé Timer qui recevoir première médaille d'argent au pays d'Haïti dans le domaine gymnastique artistique. C'était dans le jeu panaméricain qui était déroulé dans le pays Brésil dans l'année 2022. Jeudi, Chloé Timer en compétition pour représenter pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques qui soulissent pour dérouler dans le pays de la France pendant l'été 2024. Là. N'a signalé que samedi qui s'est passé là, dans Randy's Restaurant dans la ville Miami, organisation Haitian Hall of Fames a réuni la communauté pour bailler l'honneur et respect à divers athlètes haïtiens parmi eux, Chloé Timer. Dans la soirée, si là, Office Councilman Franz Pierre Charles, commissionneur Marlène Bastien et député Marie Hudson, te bail distinction haute portée à Chloé Timer pour succéder comme athlète capoté de la poids ici en bien haut dans le domaine gymnastique artistique. Après cérémonie, hein, nous te parlé avec Chloé Timer, cap dis-nous comment l'idée dérapé dans le domaine gymnastique là. Moi j'ai dérapé mouvement gymnastique là dans l'âge 3 ans. Au commencement, moi j'étais paix, mais après un bon bout de temps, moi j'ai venu mes sports et jour m'a pratiqué. L'année 2022 a été une belle année pour moi. C'était la première fois moi tape dans une compétition internationale. Chance pour moi participer dans l'Olympique 2024 dans l'Idre haut. M'a participé actuellement dans compétition qui nécessaire. M'attend toute compétition finie pour une invitation pour l'Olympique 2024. Ça m'était capable dit pour me finir, pas jamais suspendre rêver, souvler vignon athlète ou bien n'importe qui discipline, focus sous sauve les fers, mettez l'esprit la donne ou après réussi. Nous t'ai constaté que Adi Timer, qui c'est papa Chloé, te prend la parole pour le remercier pour bel geste qui t'est fait dans l'attention petite Philly. Dans Micro Véro Creole, Adi Timer a détaillé étape la vie Chloé dans le domaine gymnastique là. Il représente Haïti à partir de 2022 et puis aujourd'hui, il prend deux médailles au niveau national et aujourd'hui, là, on a essayé pour nous arriver et Olympique 2024. Oh, Olympique 2024 qui va venir dans quelques mois. Dans qui point nous y est avec Chloé particulièrement? Bon, Chloé prend deux. Il peut passer dans deux compétitions. Là, il est allé en Égypte et puis il est allé en Allemagne. So, ça veut dire qu'on y a une licence et des critères là pour y a. Comme Haïti peut jamais arriver dans le niveau ça, il y a un nommé pour la représenter Haïti. Et puis à partir de ça, il y a une autre compétition encore pour aller, c'est en Italie. À partir de là, on va regarder combien de points il est capable de faire pour lui-même pour le qualifier pour le participer. Non, Pam, c'est juste de Onsré pour VOA Creole, Miami, État Floride. Et puis on a fini avec un dernier coup de pied dans Saint-Marc, côté que nous pourrons joindre Junior Racine qui pourra parler nous de monde qui prend position, bien des planteurs qui prennent position par rapport au Conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti, Junior Racine. Planter pied-bois, c'est protéger l'environnement. C'est sous thème ça, plusieurs syndicats planteurs dans la vallée de la Tibonite et organisations sociopolitiques. T'es chit à parler hier mercredi 1er mai 2024 là, sous problème paysan qui a fait face dans la vallée.
responsable syndicat planteur visionnaire pour développement Vallée la Tibonite René Charles t'a réagi comme ça par rapport à conseil présidentiel transition dans l'occasion fête agriculture et travail là. Aujourd'hui on dit sur présence moi là devant la presse c'est pour envoyer un message directement d'un conseil présidentiel ça qui pourra le monter là pour faire le connaître pays Vallée la Tibonite donc capacité pour pays à manger. D'après porte-parole syndicat planteur dans Valéa, madame Jojo lui, il est prêt pour travailler avec tout le monde, même monde qui plongeait Valéa dans situation difficile li trouver jodi a. Tout travail avec tout le monde net. Tout le monde net parce que pays a li plongé et nous pas ka connaître mais c'est un monde qui capable aider pays à sortir. Plusieurs citoyens qui vivent dans Saint-Marc avec responsable organisation by opinion sur installation conseil présidentiel transition a. Si c'était là dans yo croit a bien un changement. Quel autre qui pas croit a bien qu'un changement. Ça c'est pas volonté population haïtienne. Parce que c'est un bon pas et parce que nous même ça n'a pas cherché c'est solution. Métropole Barza Tibonite Saint-Marc Junior Racine la voix de l'Amérique. Et c'est avec dernier reportage Junior Racine là n'a pas mettre fin dans programme, c'est un plaisir comme d'habitude. L'autre information que nous portons pour, eh bien, c'est l'autre information que nous capables de faire confiance. Il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée pour mettre Caleb côté bandit rentrer la caille. Mettre Caleb avec gros âme lourdement armée, tirer sous caille là et puis ronfler, lui bien ronfler, eh bien, lui crier. Tant que tout le monde petit après, ou même, il était fini de battre. Selon quelques médias, ou même, il posté. Donc, mettre Caleb Jean-Baptiste, lui-même, qui t'a fait un bon travail dans dossier qui vient pour avec dossier avocat pays d'Haïti côté lui même li pas vle ouais il pas vle tande parler des conseils présidentiels la fois passée là dans vidéo que t'a circulé li t'est paraît fait comme quoi que nèg yo même yo attaquer mystiquement et bien pourquoi li là c'est un nèg exam qui t'a attaqué avocat lui même selon information que lui même li confirmé et yo t'a même rivé un flèl qui donc des pour opposant parti nèg politique ça yo même qui déjà vle prend pays à otage et bien li facile pour yo même yo capable attaquer nan dossier qui gen pour avec compte yo donc nèg sa yo qui déjà prend pays d'Haïti pa gen a faire attaquer yo c'est soit ou avec yo ou bien ou même ou fait silence. Toujours dans dossier mauvais temps qui a ravagé pays d'Haïti, li passé Brésil tout, unité hydrométéorologique d'Haïti qui c'est IHM et bien à travers ministre Kilti avec communication, il était déjà annoncé depuis AED Mea yon envie inondation sur 8 départements pays d'Haïti surtout dans zone Noa et bien faut nous même nous rete veatif côté pour inviter ça les même l'état passé rete veatif si ou a vivre bon côté rivière bon ravine dans zone Monyo avec côté qui konn habitué gen problème parce que gen envie météo mette deyo pour inondation avec déboulonnay té nan moment la pluie elle même la tombé en pile dans département si là. Depuis hier annonce la déjà lancé et eh bien ça pas paraître facile même côté gagné environ 10 monde qui mouri après un glissement terrain dans moment la pluie elle même l'étape tombé dans ville Cap Haïtien dans un communiqué la mairie au Cap là même limité dehors jeudi vendredi 3 mai 2024 là là et eh bien yo fait connaître que glissement de terre elle même qui t'est touillé environ 10 moun sorti la nuit pour premier pour t'arriver dès mai qui sont passé à là incident malheureux ça lui même arrivé à cause de la pluie lui même qui t'a tombé dans zone Laboury qui donc zone Laboury dans nos pays et bien c'est à là action si là lui même li t'a pral passé et bien premier rapport pour nous même nous mener sur terrain à partir de protection civile avec pompiers c'est eux même yoté si aller te gagne faire des 9 moun qui t'est mouri et puis un autre glissement terrain lui même li t'a pral la cause dans mort yon moun encore dans zone rival écrit équipe communication la mairie au Cap là et bien pendant temps ça yo té tout profiter voyer condoléances avec proche moun sa yo même qui ta victime pendant mauvais moment si là et bien sous l'autre bord tout unité hydrométéorologique d'Haïti qui c'est UHM et bien à travers ministère Kilti avec ministère communication yo même yo té annoncé ça depuis hier 2 mai 2024 là yon avis inondation sur 8 départements dans pays d'Haïti surtout dans zone Noa et bien qui donc la mairie au Cap les mêmes li profiter si constance ça pour demander mon yo même rete vigilant et puis suivre toute consigne sécurité autorité protection civile yo même que yo bail là et bien yo recommander tout
eh bien di yo mandé n'a parlé de la mairie au Cap là yo même côté yo mandé eh bien pour moun yo qui pa fait aucun déplacement dans zone qui gagne menace sou yo tant kou débolonaité yo qui donc pour finir municipal là li dit déjà l'a travail pour accompagner si la yo même qui frappé en bas inondation ça et puis fait tout effort pour porter yo secou dans moment difficile que yo même y a traversé yo souligné tout y a continuer travail en collaboration avec différents services urgentio et puis organisation locale yo pour yo capable faire face carré avec situation malouk si la. N'a pas rappelé selon UHM 8 département ça même qui sous menace inondation avec glissement terrain d'Haïti a et bien yo c'est grandans il y a qui n'était douillé à Nip Sud nord nord-est nord-ouest l'ouest et puis centre et bien yo même yo pour ko changer dans dossier qui gain pour avec dossier menace qui ta sous zone ça yo dans pays d'Haïti. Toujours dans dossier qui vient pour avec dossier de loi et bien pays Haïti a les mêmes li pas fait seulement partie pays qui ta victime en bas menace de ça et bien nan cap haïtien que nous sous dou la zone Laboury barrière bouteille et bien c'était dans zone ça yo pendant hier qui était demi à là qui était un gros acte qui passé côté qui prend la vie plaisir citoyen mais les mêmes li pas traité comme ça dans pays Brésil tout et bien environ 29 moun mouri avec 60 l'autre moun qui disparaît net qui donc mort c'est 29 environ 60 l'autre disparaît à cause des gros la pluie qui a tombé dans pays Brésil d'après ça autorité même yo fait connait ces régions sud pays a et bien dans état Rio Grande lui même qui plus touché en batrage d'ici là lui même qui passé là président brésilien qui dans tout connaît qui c'est président Lula et bien Lula t'est rencontré avec gouverneur côté il fait quoi que il pas manquer moyen pour faire face avec situation si là lui même qui déjà gagne pays ça grand pile monde qui déjà disparaît et gagne qui mourir tout joine en bas la pluie lui même qui a tombé dans dernier jour ça là de même janoué Haïti frappé et cyclone qui était annoncé sous qui bas c'est lui même qui frappé Haïti et bien Amérique du Sud là tout pays Brésil victime en bas tragédie gros la pluie qui a tombé côté yo inondé dans zone si là. N'a pas quitté dossier de loi pour nous tomber dans ça qui gagne pour avec dossier bandi et bien bandi yo continue à frapper l'assemblée bandi yo même gens qui n'a t'es déjà constaté que ligne avion te gagne tape déjà à reprendre rôle dans pays d'Haïti aïe qui était demi à là et bien tout bandi yo dans aéroport international Toussaint Louverture li pou jamais capable ouvrir et porte cela depuis avant et soir pour ta l'ouvrir hier qui était 2 mai 2024 là qui donc avion te fait connait à partir de 2 yo t'a ouvrir et bien depuis dans mercredi soir bandi avec Goza même yo t'a simé coup de balle sous piste atterrissage aéroport vers 2h dans matin qui donc 2h du matin pour te arriver 2 qui donc DHT les vols américain LNT a annoncé qu'il t'a pas reprendre vol sous pays d'Haïti bien depuis 2h matin nèg examen yo té al atériou pour petit bal sous piste là malgré magistrat là-bas té déjà crasé plusieurs cailles dans zone si là et bien bandi yo même yo toujours créer façon pour petit bal sous piste atterrissage aéroport ali même depuis 2h du matin nèg yo t'al petit bal là ça qui té paniqué moun qui habité dans zone si là et bien ça tout qui té metté policier qui té présent dans espace là li même sous brezeng yo et bandi yo toujours les passer dans zone Aquafine qui donc avec zone qui baille sous Douya aéroport li même li totalement parlé qui donc vol yo déjà pas ka fait et bien pral gen passé 90 jours pour personnel qui t'a doué là dans espace là yo même yo pas capable mettre pied vol compagnie American Airlines li même qui t'a doué rentrer et bien li même li t'a doué paraître depuis hier jeudi demi li pas capable fait et li t'a supposé fait dans date cap 9 mai 2024 cap vini là même si ça pas ka fin certain non plus mais nan niveau politique là personne pas senti volonté ni motivation la caille actuel dirigeant yo ni sa ta doué remplacer yo et bien ça qui t'est montré à clair que aéroport lui même li t'a pral relouvri et bien c'est bien compté mal calculé ta assemblée dirigeant yo pour cola qui donc yo déjà qui t'a goumé pour pouvoir mais sécurité pays a pour t'ouais avant même yo t'ai goumé hein et bien pour qu'on gagne c'est même gens avec en pile l'école tant l'école faculté
business en pile côté gang yo même yo t'ai déjà fermé nan figi faux autorité yo et bien qui quoi nan un seul bagaille qui meilleure façon pour yo même yo fait l'argent et bien c'est à investir dans l'autre pays donc mettre nèg a goumer pour pouvoir mais yo pas gain dans tête yo pour font bagaille qui trop bon pour pays sinon c'est mettre cobla dans banque dans l'autre pays et bien quitter nèg yo même craser la caille là parce que neuf autorités ça va prendre tête pays avant yo ta goumer yo ta chercher mettre stabilité chercher tourner pour quoi qui en vol té capable reprendre dans pays d'Haïti qui donc nèg ça yo par contre qui a fait pour aller dans palais national yo pas wè ça mais y a goumer pour capable plein poche. L'autre côté nous pral kounya et bien après en pile parler en pile qui te gagné zin di felova et bien ou di ça non lui même qui a pile monde connaît finalement li obligé quitter radio Ibo net fois ça définitivement et bien nous semble pas chame tande émission qui ça nous voulait qui ça nous voulait n'a pas plou c'est une émission qui ou di ça non lui même li t'a animé sous antenne radio Ibo 98.5 là et bien pourquoi il est là nous sur route pour nous pas jamais entendre qui ça nous voulait encore sur 98.5 là les mêmes animateurs les mêmes était dans bouche l'ouvri avec ancien cavalier Paul Cal il a parlé de cavalier pour Cal c'est au déacté qu'on a qui ça nous voulait qui c'est Raphaël Pierre Marie ou bien vous dit Marie Raphaël Pierre donc dame si là lui-même qui d'après le quitter vous dit mais magasin avant pile parler sur internet là en pile monde fait connaître c'est parce que vous dit lui-même il tape tapé bien fort Mario et Michel et bien pourquoi il est là ou dit décider quitter radio Ibo ou dit lui-même qui confesse sport et fait journal et bien émission qui ça nous voulait à tout yo te kon fèl nan radio Ibo et ben ou di ça non en pile moun konnen ki son konike sportif tout mais ki kon bay nouvèl politik et ben pou kwen li la bagay la pa fini bien pou li menm nan radio Ibo finalement ki oblige kite espace si la li pa la dan anko est-ce qu'il pral fè ou bien il pral bay émission nan l'autre radio nou poukò konnen mais pou kwen li la radio Ibo et ben des désaccords entre ou di ça non. Toute famille qui quittait quartier na Port-au-Prince après attaque bandi yo même yo té fait et bien li pa jam camper toute famille ça yo même y a couri quitter caillou et bien pour yo té capable aljoindre yon l'autre côté qui té capi bon pour yo après attaque yo té enregistré avant hier matin dans différents quartiers dans capitale haïtienne là et bien les attaques ça yo même yo té fait yo té tande coup de zame intense qui t'a pénétré zone qui té pi affecté dans violence gang armé ça yo c'était Solino Delma 24 avec Nazon qui donc en pile moun chargé avec bagaille dans valise yo même ak mallette ak ti moun nan men yo au soir nan boyo yo même yo t'a essayé échapper pour yo nan zone sa yo et moun yo prend route pour évacuer à pied et bien bien ki gagne tout qui sous motocyclette yo obligé quitter zone Solino Delma 24 nan zone qui donc nèg yo nan zone sa yo pas décidé bay la paix mais peuple la continue à quitter zone ni et nèg nou yo même y a goumé pour pouvoir yo pou kola nan dossier qui gagne pour avec dossier pour ta chercher joine yon souffle pour pays d'Haïti. Nous pour aller dans pays Afrique kounya pour nous rendre directement dans pays Sénégal. Pays Sénégal diplomatie des diplomates tout neuf qui accrédité Dakar lui-même qui c'est capitale pays Sénégal là remettre lettre créance ambassade yo bay président République Sénégalais qui c'est Bassirou Diomaye Faye. Journée jeudi qui était 2 mai 2024 là et bien une après l'autre des nouveaux ambassadeurs représentés Côte d'Ivoire et puis royaume l'Espagne dans pays ici là et bien Diomaye lui même qui déjà fait monter là la bail bon service avec pays ça côté yo mettez pays yo devant pour yo marcher yo pas quoi nèg la caille cap quitter nous plonger puis font même pendant y a continuer pour faire millions yo dans ça qui gain pour avec dossier pays conflit Israël Hamas là et bien sans préciser combien monde qui perdit la vie yo et bien ni si y a indemnisé famille yo ni Banari Gessila li même dans une conférence pour la presse li bay ayer qui était jeudi 2 mai 2024 là dans ville Amman capitale pays Jordanie Abdallah Al-Daldari qui c'est directeur bureau régional pour état arabe nan Penid et bien il fait connaître que reconstruction bande Gaza a besoin en 30 avec 40 milliards de dollars. Puis loin directeur a fait connaître c'est une mission communauté internationale là
ou bien pas affronté depuis après deuxième guerre mondiale même qui était faite dans pays qui donc gain côté tout et bien c'est l'on veut à créole déjà là yo pas connait s'il y a capable reconstruire bien rapide et gain côté gain bombe ak missile yo même qui pas exposé qui rend population li même li vraiment malade dans état si là conflit si là li même c'est un conflit qui beaucoup jamais campé pour Skounia dans les premier ministre pays Israël là lui même lui cementé qu'il faut frapper Rafah lui même c'est là le fait qu'on est qui otage italien eux même depuis première attaque là c'est là otage c'est là même lui même yo gain pour frapper malgré en pile pays a goumé Colombie fait couper relation diplomatique là avec pays Israël c'est pour même dossier attaque ça yo mais gain a beaucoup camper et autant de qui quantité l'argent qui pour ta gagner pour ta capable faire réparation nan Gaza qui donc qui presque nan même niveau avec les deuxième guerre mondiale les même li te fin passé et bagay yo la yo paraît vraiment difficile n'a quitté conflit qui gen entre Israël avec Hamas là pour nan loin nan ça qui gen pour avec la Russie Ukraine et bien la France estime la France tout le monde connaît la France li estime que la Russie li même li te souffrir 150 000 morts nan la guerre Ukraine nan navier là-dedans 150 000 morts dans invasion l'Ina Ukraine et bien qui était commencé dans mois février 2022 qui s'est passé à la qui déjà gain plus passé 2 ans et bien d'après calcul France publié par ministre des affaires étrangères qui c'est Stéphane Séjourné qui donc Stéphane Séjourné il fait connaître chiffre yo paraît dans une interview avec Séjourné lui-même il publié jeudi vendredi ça là qui c'est 3 mai 2024 là et bien pas Novaya Gazeta Europa et bien lui-même les publications ça lui-même les indépendants whisky de publié depuis le commencement année qui donc depuis le commencement année pourquoi il là nous déjà dans 5 mois dans année et bien à Paris avec Nancypo sans report sans frontières qui c'est RSF et bien pourquoi il là pour là aussi c'est lui même l'état gagne 150 000 mon bon côté parle combien fait boy Ukraine et bien je fais pour consolider pour connaître à clair combien ou même qui t'a déjà fait dans dossier qui gagne pour avec dossier guerre si là que ou même yo gagne dans pays d'Haïti et bien la police te fait gros coup de filet là pendant journée hier dans rapport ILCC au côté la justice haïtienne arrêté secrétaire général Sénat République là lui-même pour dossier corruption et un petit grand monde chez recommencer bien blanche et bien dans cadre rapport unité li contre corruption qui c'est ILCC et bien il était publié depuis mois novembre 2023 juge Melan Belab lui-même fait arrêter hier jeudi 2 mai 2024 la secrétaire générale Sénat qui c'est Marinelli fait pile boyer et bien lui-même pour corruption arrestation ancien fonctionnaire l'état il était venu tout de suite après lui-même il était fini passé environ 3 heures de temps après prendre question magistrat si là il était répondre toutes questions juge là t'ai posé lui malheureusement juge là juge il nécessaire pour le Kimbil pour l'alfonti poser côté pour machine pas frapper d'après déclaration avocat là lui-même qui c'est monsieur Gustin Joly qui dénonce décision magistrat puisqu'il déclare pas bien ouais ça puisque madame là lui-même était secrétaire général à partir de janvier 2022 pour seulement arriver 2023 tout ça qui passait avant l'été secrétaire général yo et bien pas raison pour juger là lui-même li culpabilisé par rapport avec ça yo de l'autre côté li souligner tout client lui-même li était nommé c'est vrai dans l'année 2022 mais il était arrivé prend fonction dans l'année 2023 et bien dans période ça yo sénateur eux-mêmes yo était allé déjà et bien ça qui selon lui-même expliquer madame Boyer pas de gain en rien te ka fè comme za corruption en dedans Sénat nan sa sa défense droit moun nan fè konnen yo même bon côté pa yo yo pral fè sa yo konnen pour défendre Marinelli Vepil Boye ami bagay yo a fait parler en pile même si monsieur Gustin lui-même li pa konn raison exacte qui mené juge Belab arrêté client lien nan rapport ILCC lui-même li té écrit clair enquêté lui-même yo té tande Marie Vepil comme secrétaire général Sénat sous dossier fonctionnement Sénat avec sous processus qui té konn permettre yo bay fonctionnaire lui-même 4 débit selon rapport qui était dans chiffre Banque nationale de crédit qui c'est BNC et bien
yon affaire de 1693 moun qui te bénéficié 4 débit nan Sénat République la sorti 2017 sous président Youri Latoti qui donc Youri Latoti qui était président Sénat et eh bien yon l'autre botou yo te dit tout yo bien yo joine à chaque fin année yo responsable administratif yo même yo te kon bay fonctionner en dedans prime performance mettez sous 4 débio et bien dans l'année 2022 qui sous passé à là il était lit contre corruption dit qu'il y a environ 100 fonctionnaires qui te joindre prime si là en plus secrétaire général Sénat yo même yo t'étendre dans dossier ça les même qui pendant journée les même qui trouvent dans prison pendant la temps dit là Alan Joseph les même qui c'est comptable en chef là Ginette Charles coordonnatrice secrétariat général adjoint des affaires administratives Jerry Robert Figalo les même qui c'est directeur police parlementaire Jean Romial qui les même c'est directeur ressources matérielles avec intendance et puis secrétaire général adjoint des affaires administratives Justin Donald c'est l'autre monde ILCC t'étendé dans dossier corruption c'est là donc dossier corruption qui te gagne juge Aldiniel qui t'a jugé t'a metté Cholse Chancy en prison malgré belable même li lagel et même la metté main sous femme c'est là les même pourquoi il là pour dossier qui gagne pour avec corruption donc là il vient faire corruption depuis te gagne bon justice dans pays d'Haïti tout monde qui comploter gaspiller gagoter l'argent l'état yo même yo t'a supposé des 4 mirailles ou bien pour yo mettre et pour une sanction comme ça doit pour pas faire gagote dans l'état. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a pas arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification, mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouvelle vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté te abonner avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou abonner ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.